tu vis combien? À peu près 190, c'est ça? Tu vois, tu as 200 là, tu as 150 ici. Donc là, tu as à peu près 190. Ok. C'est 190 bar. C'est pour mesurer la pression qu'il y a dans la tête. Donc c'est pour un plongeur, la quantité d'air qu'il a à sa disposition pour l'arrêter, pour pouvoir plonger. Et là, on peut avoir, tu vois, tout de suite, on sait où on en est. D'accord? Alors regarde. Tu as le troisième flexible. Alors à quoi il va servir celui-là? Eh bien, il va servir à emprunter de l'air à la bouteille pour. Ça, c'est moi qui vais m'en occuper. Ok. Pour terminer, tu as un gilet. Donc ça, en surface, c'est éboué. Moi, pour t'immerger, je vais appuyer sur ce bouton ici. Ça va le dégonfler. Tu vas descendre doucement avec moi. Ok. Les palmes, tu as, ton masque, tu as. Alors, le masque, tu le sais peut-être déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller dans l'eau? Eh bien, il faut cracher dedans. Il y a les bunkers, bien étalé, rincé, et après tu le mets. Tu sais pourquoi on fait ça? Mais si tu ne fais pas, coupe le masque, tu vas avoir de la buée. Et après tu seras dans le brouillard sous l'eau. Okay? J'ai déjà été plein de fois dans le brouillard avec mes lunettes et puis. Ah oui? Là il faut là, cracher. Avec le masque, c'est un peu embêtant. Ok? Alors, donc les palmes, tu les as. Donc les palmes, le masque, la bouteille, le gilet. Le détendeur. Est-ce que tu as des questions déjà par rapport au matériel? Ok, alors. Ensuite. Écoute, Maxime. Ensuite. Alors. Donc tu vas le faire avec moi. Je serai le premier dans l'eau. Ok. Pour commencer, on va le faire de petits bassins tous les deux. Et après, si ça se passe bien, on viendra ici. Parce que tu vois, surtout pour toi, tu devrais normalement le faire là-bas au bout, où c'est le moins profond. Seulement là, pour le moment, tu vois, il y a le water polo qui occupe la surface. Donc on a le relais. Ok? Alors. C'est déjà ça. Bon, il sait nager. Il sait nager. C'est pas obligatoire de savoir nager. Ouais, non, je sais. Moi, j'ai déjà vu des baptêmes à des gens qui ne savaient pas nager. Du moment qu'ils sont zen et que. Ok? Voilà pour le matériel. Alors ensuite. Donc sous l'eau, je vais être à côté de toi, je vais te tenir, je vais équilibrer ton gilet. Alors, moi, qu'est-ce que je vais te demander de faire? Sous l'eau, tu vas essayer de te mettre à l'horizontale et de palmer, regarde mes doigts, un peu doucement, tranquillement, pas trop vite. Et à l'inverse, reste pas sans palmer, parce que sous l'eau, je vais être obligé sinon tout le temps de te pousser. Donc on se met à l'horizontale et on palme un peu tranquillement. Alors, c'est comme si tu nageais. Tranquillement. Moi, je nage toujours à la surface, on voit mon pied, on voit toujours mon pied. Oui. Alors, sous l'eau, il faut être détendu. Il faut être cool, il ne faut pas s'énerver. Plus on est détendu, plus on est relax, moins on s'énerve, mieux ça se passe. Alors, c'est la même chose, après tu apprendras à respirer, tu vois, avec l'embout ici. Il faut, parce que ça, tu vois, c'est un système mécanique. Donc il faut bien inspirer, bien expirer, sans s'énerver. C'est comment son prénom en fait? Maxime. Maxime. Alors, donc il ne faut pas que tu t'énerves en respirant. Regarde Maxime, tu fais comme ça. Par contre, il ne faut pas s'énerver en respirant. Fais pas ça. Ne s'énerve pas. C'est comme je t'ai dit, l'évolution, on a ce ventilé qui respire, c'est pareil, c'est cool. Okay. Alors, ensuite, sous l'eau, on ne peut pas se parler. Donc pour voir si tout se passe bien, je vais te poser des questions par signe. Alors, je vais te mettre dans ton masque, parce que moi je vais venir te tenir là, t'équilibrer, tenir ta bouteille ici, et devant ton masque, je vais te faire ça. Ouais, déjà appris un peu tous les gestes. Donc devant ton masque, qu'est-ce que je suis en train de te poser la première question? Je suis en train de te demander, est-ce que tout va bien? Si tout va bien, Maxime, tu me réponds de la main droite, en hauteur, et tu me fais si. Ok, tout va bien.
Si par contre quelque chose ne va pas, tu me fais ça comme si. Vas-y, fais-le. Ça va pas. Non. La main horizontale, comme ça. Ça, ça veut dire ça va pas. Quelque chose qui ne plaît pas, ça va pas. Et troisième signe important, tu vas faire ça va pas. Aïe mes oreilles si tu as mal aux oreilles. Vas-y, fais-le. Tu fais ça et tu montres en oreille. Non, la même main, main droite. Tu peux le faire avec l'oreille de ce côté-là. Comme ça. Alors, on repète avec moi. Ok, tout va bien. À droite. À droite. Ça va pas. Et ça va pas. Aïe mes oreilles. Tu montres l'oreille. Ok. Bon. Alors, deux choses très importantes. Moi, je vais m'occuper de tout. Je gère tout. Il y a qu'une seule chose que je ne peux pas gérer à ta place, ce sont tes oreilles. Est-ce que tu as au fond des oreilles? Tu sais? Les tympans. Donc, tu mets à terre ici. Tout va bien, les tympans, ils sont droits. Et quand tu vas mettre la tête sous l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le poids de l'eau qui va faire pression dans ton oreille, sur les tympans. Donc sous l'eau, il va falloir faire une petite manipulation. On appelle ça compenser. Pour ne pas avoir de soucis d'oreille, pour ne pas avoir mal aux oreilles. Alors comment on fait? On va continuer à avoir le masque sur le visage, le détendeur pour la bouche. Donc on va prendre une bonne inspiration. Et tu vas faire comme si on allait souffler tout l'air par le nez, et tu viens pincer ton nez, et tu empêches l'air de sortir. Alors regarde, on peut le faire, on peut le faire, je vais le faire à côté. Là je vais te montrer, on peut le faire sans détendeur, sans masque, sans forcer. Regarde ce que je vais faire, je vais inspirer, et tac, un petit coup sec, vas-y, inspire, tac, normalement. Tu souffles bien par le nez, tu empêches l'air de sortir. Si tu fais ça correctement, paf, tu sors les deux tympans qui bougent. Vas-y. Toc. Est-ce qu'ils bougent les deux tympans? Alors, il ne faut pas le faire trop mou, hein. Il faut le faire franchement. Et pas trop fort non plus. Regarde. Tac, vas-y. D'accord. Bon. De toute façon, si je vois que tu ne compenses pas, je vais faire ça devant ton nez. Je vais me compenser le nez à travers le masque pour te dire oh, n'oublie pas de compenser. Ok, hein? Donc ça. Oui. Et on veut commencer d'abord par un petit bassin, parce qu'on va le faire. Et après, mais n'empêche que. Même au petit bassin là-bas au bout, il faut paf, compenser. Ok? Ensuite. Alors on le fait quand on va sous l'eau. On n'a pas besoin de le faire en surface. Ok? Alors, maintenant, Maxime, écoute bien. Donc, à terre, la quasi-totalité du temps, tu respires comment? Par le nez? Par le nez. Par le nez. Mais sous l'eau, comme on a le masque sur le visage et le détendeur dans la bouche, on ne respire cette fois-ci que par la bouche. Si tu veux inspirer par le nez sous l'eau en ayant le masque sur le visage, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer du tout. Ça va plaquer. Ça va être tout. D'accord? Donc, on inspire, on expire par la bouche. Alors, ensuite, sous l'eau. Si tu as de l'eau ici au bout du nez, on s'en fiche. Parce que tu respires par la bouche. Si tu commences à avoir un petit peu d'eau dans le masque, tu me fais si ça ne va pas, tu me montres le masque. Maintenant, je peux te montrer comment on enlève l'eau dans un masque sous l'eau. Et c'est fastoche. J'inspire. Je vais basculer la tête vers la surface. Je prends deux doigts que je mets là. Et je souffle fort par le nez.
ça soulève un peu la jupe du masque, et ça suffit pour chasser. Et de toute façon, non, on s'en va. Et si tu as un souci, alors, au bout du nez, on s'en fiche, hein, d'accord? Et si tu commences à avoir un peu trop beau dans le masque, tu dis ça va pas, puis tu peux monter. Ok? Ensuite, donc la première chose importante, ce sont les oreilles. Et la deuxième, moi ce que je veux voir, c'est te voir inspirer, expirer. Il faut un plongeur qui ne bloque jamais sa respiration. C'est-à-dire maximum, surtout pas faire ça. Et pas expirer. Quand tu vas expirer sous l'eau, il y a des belles bulles, il y a des bulles ici qui vont sortir. Tu sais comment on appelle ça? Les moustaches. D'accord? Donc tes bulles, elles vont sortir ici. Donc moi, ce que je vais voir, c'est des belles bulles. Et pas des bulles timides, des petites bulles. Moi, je vais voir des belles grosses bulles. Ok? Alors, on répète une dernière fois. Ok, tout va bien. Ça va pas? Comme ça. Ça va pas? Et les oreilles. Ok. Ensuite, mais je vais te le remontrer. Tu vas l'apprendre à le faire avant d'aller sous avec moi. Compenser correctement et ne jamais bloquer sa respiration. Si tu bloques ta respiration, je vais le voir tout de suite parce que moi, je vais pas voir les bulles sortir pour les moustaches. Ouais. Bon, as-tu des questions? Dis-moi, ça va? Bon, on va aller au bord du petit bassin. Papa, tu... Ça me va. Voilà.
jusqu'à la main. Thank you.
pas de soucis d'oreille. Tes jambes aussi. Faut tendre tes jambes pour pas le mettre. On va refaire la longueur si tu veux. Ok ? Oui ? Ça va ? On va fort un petit peu. Et c'est ça. Et on fait 2 mètres. Ça te va ? On essaye ? Attention, ce sera plus profond, donc il faudra faire attention aux oreilles. Oui ? Allez, mets-toi sur le dos. Dis si je te tire les cheveux.
Je retrouvais plus le sien, il en avait un petit et je le retrouvais plus. Ouais. C'est pas évident de trouver un masque qui va bien. Mais t'avais un peu d'eau, hein, c'est ça? Oui. Ah. Bon, on va aller moins profond là, si tu veux. Hein? Ça va? Ok, c'est bien. T'es presque allé à 2 mètres, c'est bien. Alors. Non, tu touches pas. Tu touches à rien. Thank you.